Bonjour. Alors, il y a des trucs là-dedans, vous pouvez pas savoir. Il y avait quatre réalisateurs, et donc ils choisissaient à chaque fois un thème de liaison. Par exemple, ils nous faisaient passer pour des fous. Et à la fin de l'émission, il y avait des infirmiers qui venaient nous chercher. Et à chaque fois, on se demandait, parce qu'ils allaient vraiment à la limite de l'interdiction et de la censure, après la diffusion, on se demandait si on allait faire la suivante. J'étais le premier, par exemple, à montrer mes fesses à la télévision française. Ça démarrait sur un gros plan, sur mes fesses. Et puis, ils élargissaient. Ils s'apercevaient qu'on était à quatre, complètement nus. Enfin, pas, ils nous avaient mis un scotch, mais on ne voyait pas le scotch. À courir sur le long du péri qui est en construction. Il y avait des fonds qui disaient « Courez, courez, courez !» C'était comme ça, avec un fouet presque. Et on l'a fait, ben voilà, mais tous en scène, c'est vraiment une émission, mon émission préférée pratiquement. Quand on a fait cette émission, c'était dur, on était dans les... C'était vachement sympa de faire une émission en direct, en prime time, un samedi soir. C'était fantastique. Mais j'en ai un petit peu... Moi, j'ai découvert une autre facette du métier, des gens, des attachés de presse, des maisons de disques qui venaient nous solliciter. D'un seul coup, on voit l'envers du décor. Et il fallait qu'on travaille sur tous les fronts, on n'avait pas trop l'habitude. On s'était adjoint une équipe de copains. Je voudrais bien situer si la mémoire ne me trahissait pas. Mais je sais qu'il y avait Chantal là-dessous, qui en a bien rigolé. Il y avait des gens qui écrivaient avec nous, les enchaînements, les gags. Dont ma vie, que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup. Autrement, ben non, ça nous a fait travailler encore plus après en gala, le fait de faire ces émissions, on était demandé un peu plus, et ça nous a permis de travailler énormément. Et puis dans cette émission, il y a eu une série un peu noire à un moment. On a eu Balavoine qui est venu nous dire au revoir parce qu'il partait sur le Dakar. Vous passez votre temps à m'inquiéter, vous voyez bien qu'il est revenu. Oui, nous aussi, mon colonel, on est revenu. Mais pourquoi êtes-vous revenu, vous? Pourquoi sont-ils revenus? Pourquoi êtes-vous revenu? Oui. Ben, on est revenu parce que... Pourquoi on est revenu, au fait? Ils seront parfaits, mon colonel, ils vont faire des efforts. Oh là, oui. On va être vraiment bien. Vous connaissez le chemin? Bien sûr, mon colonel. Sergent, c'est jeune? Je comprends plus. Je comprends pas. Joli, le monde est joli, la vie nous sourit, la vie nous sourit. Au soleil de l'amitié, nos cœurs se sont réchauffés.